PEGI 18. Hey, salut, c'est Agi, on se retrouve pour cette troisième session et du coup le 9e épisode de Project Zero, la prêtresse des eaux noires. On s'était arrêté à l'interlude avec Yuri Kozukata et maintenant on va aller pour le chapitre 4 avec le même personnage, trouvé Haruka Momose. Très bien, toujours normal. Oui, les objets, on s'en fiche. Quoi qu'on peut acheter peut-être des films. Ouais, non, on va garder nos points, on va laisser ça comme ça. Chapitre 4, disparition Yuri Kozukata. Après la découverte d'un dossier de personnes disparues sur le bureau d'Hisoka, Yuri se rend compte qu'Hisoka était à la recherche d'Haruka Momose. Elle repense à ce que Fui a dit alors qu'elle passait près de l'hôtel des poupées. Haruka, elle est ici. Gardant ceci à l'esprit, Yuri se rend à l'hôtel des poupées, nourrissant l'espoir qu'on retrouve Haruka. On va retourner sur le hors. Elle viendra également à découvrir où se trouve Hisoka sur la montagne. Alors, j'ai aussi quelques petites remarques comme quoi... Ça vous intéresse pas que je lise les textes pendant que ça parle. Haruka Momose, c'est la fille qu'il faut y rechercher. C'est ce qu'elle devrait essayer de la trouver. Ok. Bon. Il y a quelques jours que j'ai pas touché au jeu, donc on va voir si ça rappelle. Oh putain. Vous êtes sérieuse? Vous commencez à me mettre une prêtresse dans la gueule. Oh les bâtards. Oh les enculés. Ça commence fort. Oh, donc j'ai pas flippé, hein. Sans ta gueule, toi. Dégage avec ta souillure. Ah. Ouh. Ouh. C'est malin d'être bon ça. Quand on la prend. Hop. Avec la caméra, hein, toujours. Je sais pas, elle a pris cher d'un coup, je sais pas pourquoi. Fuis. Hop. On se retourne. Là 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 là. Il est ici ma belle. Tiens. On pensait tranquille à me faire après pas grand chose. Elle est plutôt gentille là. Salope. Elle est morte? Non, elle est pas morte. Ah. Oh. Qu'est-ce que tu me fais là? Ta petite danse païenne là? Ta gueule? Ta gueule? Aïe 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 aïe. Lâche-moi. Qu'est-ce que ça me fait là? C'est quoi ça danse de merde là? Va se calmer, oui. Waouh. Comment cet épisode, tu fais des petites danses comme ça? ZDR touché. D'accord, c'était... je la touche, un petit cri de jouissance. Ah. Et je pars. Ah là là, les filles. Oh les filles, les filles. Ouais, bon, ça, ici, on connaît. Du coup... Je l'ai où? Par là-haut. Très bien. Cet épisode commence fort, hein. Ok, ah. Ouh, là. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Tu joues un peu trop le malin. Tiens. Bâtard. C'est mal, hein. Voilà. Attends qu'il me rattaque, hein. Tranquille. Allez. Vraiment, c'est assez chiant. Parce que taper plus fort, faut attendre qu'il t'attaque, mais le problème, voilà, ils mettent une heure pour t'attaquer, s'il te plaît. Oh, tu payes cher, mon gars. Je sais pas où je recule, mais je recule, hein. T'es sérieux? Arrêtez mon cliché fatal. Voilà. Putain, en plus ils sont super résistants et ils ont blindé de vie les trucs. Il est mort. On continue. Je le sens mal. Allô, c'est où au niveau de ma vie? Ouais, je la vois pas pour le moment. Je vais mettre la caméra. Ouais, ça va. Là, tiens, on le voit là sur l'écran. J'ai pris là-haut. Oh. Oh. Haruka Momose.
y a un objet là aussi. On va le prendre. Vas-y, prends ma chaise. J'hésite trempé dans l'eau, l'écriture est petite et féminine. Je continue à retourner sur mes pas. C'est le point de non-retour si je veux revoir Fuyui. Ouais, ça on connaît, on avait vu. Ah. Ok, Kika, tout va bien. Il pleut des gens, hein, tout à fait normal. Ça va bien avec le temps d'ailleurs. Herbe médicinale. Parfait. Là-haut. À droite ou à gauche? À droite. Peut-être un objet à gauche. Non, il n'y a rien du tout. Ah, cette montagne ne rigole plus. Là, ça commence à se compliquer. Bien comme il faut. Ah, c'est l'objet, c'est bon. Ah oui, là, où il y avait toutes les prêtresses mortes, là. Qu'on a dû fuir. Salaud! Bâtard, va. En plus, je m'y attendais, mais j'ai pas lâché au bon moment. Ah. De la braise pull. Oh. Oh non. Photo. Prêtresse mélancolique. Je vais laisser un petit objet d'ailleurs. Vas-y, on y va, ma belle. Je le sens mal, mais bon. Il y a une autre dans l'eau, peut-être qu'elle vient d'Aruk. C'est une cause de ce que je sais, c'est tellement beau, j'ai envie de pleurer. Ta gueule! Non mais où? Casse-toi! Oh oh! Attends, on va fuir! Non! Bouge! Esquive, putain! En train de prendre cher. On va aller dans les objets, on va en avoir besoin. Alors, médicinal. Oui. Encore. Et de l'eau sacrée. Merci. Wouah! Hop! C'est quoi ce... Oh. C'est quoi cette connerie? On va se calmer, oui! C'est quoi ces auras violettes là? Waouh! On n'est plus là pour rigoler. Moi aussi je rigole pas, tu prends cher. C'est cool. On va se calmer hein, parce que ma vie c'est bon, elle est au maximum. Waouh! Ah voilà, les gens qui se plaignaient dans les commentaires. Waouh, c'est pas dur pour le moment. Bah là, ça commence. Hein. Quoique moi aussi je le disais, c'était pas super dur pour le moment. De toute façon, on va retourner plusieurs fois sur ce mont et plus ça va, plus ça sera dur. C'est bon, je comprends, faut retourner aux espèces de poupées de merde. Ouh. La forêt insondable. À gauche. Ah. Ouais, non, ça on s'en fiche. Encore des items là qui sont apparus. Parce qu'on est déjà venu ici.
Nous toutes ensemble pour toujours. Et même un peu plus. Amis jusqu'à la fin des temps. Nous s'y relevons toutes. Je peux prendre photo? Non, je peux pas. Et il y avait un truc qui se baladait dans l'eau? Là. C'est quoi ça? Prêtresse balayée par les eaux. Wow. Je vais prendre ça. Merci. C'est parfait, en plus j'en ai utilisé une. J'en ai utilisé deux d'ailleurs. C'est parfait, je les ai récupérées. Ah, par ici, je pense. Ouais. Voilà, montre pas ton cul à tout le monde, hein. On a aussi un public jeune. Non mais oh! Oh. Oh. Je le sens mal ici, quand même. Je prends les objets. C'est quoi ce truc? Ta gueule! Homme qui approche! Ah bah, nique ta mère! Ah, c'est l'homme qu'on avait vu dans l'histoire là qui. Enfin, y a un ennemi là. Bon, oh, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? D'accord, c'est bon, c'est un petit boss. Mais c'est sûr qu'on avait vu dans l'histoire, il se faisait courir après la prêtresse. Esquive. À gauche. Ta gueule, pépé! Oh, pépé! T'as vu ma torche? Non, mais. J'aime bien esquiver, mais il s'esquive pas. Hein. Voilà, ta gueule. Je pense qu'il nous fait prendre cher. Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais arrête, t'as une sale gueule. Arrête! Non mais j'esquive. T'as, hey, j'esquive mais ça veut pas. De l'herbe. Encore. Voilà. Hop, on se retourne. T'es où? T'es vraiment chelou toi. J'attends parce qu'il va bientôt m'attaquer là, je le sens. Quoique, attends, il y a les spectres à côté. C'est quoi cette aura violette là? Photo vite! Voilà! 14 type 07, j'ai pris. Wow! Tu te calmes, mon gros? Bon bah voilà, c'était tout. Attends, j'ai changé un peu le film. Attends, j'ai quoi d'autre? J'ai quoi de plus cliché? Non, je l'ai pas. Alors, 61 x 24. Oh, on va prendre celui-là, tiens. Perfect. Voilà, ça c'est sûr, c'est plus de refus maintenant. Je jouais le malin au début à pas en utiliser. C'est fini! Prêtresse errante. Prêtresse errante et prêtresse errante, c'est bon, on le sait. Captain Obvious! Vous allez où, mes chéris? Bon, bah, on te suit. Hein. Par là-haut. Oh non!
Il y a une bataille là. Prêtresse assassinée. Homme qui arrache les yeux. Oh. Vous êtes gore les gars. Hein. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais? La pauvre! Elle avait rien demandé? La police casse. C'est mouillé, mes yeux me barrent. Je vais prendre cette petite note. Ah, fais la banane, tatati, tatata. Voilà. Allez, aux poupées. Ouais. On y retourne. Photo! Dans le dos! J'aime bien ton petit shorty. Hein. Fort appréciable. Ah, on va peut-être pouvoir rentrer par la porte. Merde, j'ai raté la photo là. Vite, 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 vite. Oh, trop tard. En plus, ça a dit quelque chose, mais même pas le temps de le dire. Oh! Ah, c'est des poupées. Putain, c'est glauque. Vous êtes sérieux? Allez, on y va, hein. De toute façon, moi j'ai pas peur. J'en bats les steaks. Bah alors, ma mignonne. Et on dit que vous êtes des poupées. Bande de putes, va. Trop chelou en plus. Date mini boobs. Ça plaira à Kay sous le tien. Hop. Ah. Ça minait quoi? Il y a une poupée sur l'escalier. Les poupées d'habitude s'articulent, hein. L'autre vu comment elle est tombée. Alors, il y a une porte ici, on peut descendre, on va descendre. Ah, je peux pas. L'autre avec son gros cul qui me gêne. Bon, bah on va aller ici. Allez, rentrons dans ce qui est beaucoup plus glauque. Parce que c'est tellement beaucoup plus cool. Hein. Il y a des présents là par terre. On va ramasser. Détonner l'objectif destruction. Un objectif qui permet d'infliger plus de dégâts aux cibles selon son niveau. Oh génial! Pour l'utiliser comme dans votre caméra obscura, appuyez sur R lorsque vous avez assez de pouvoir spirituel. Attends, on va le mettre direct. Ah non, c'est. D'accord, c'est automatique en fait. On dirait qu'Aroka est passé par ici. Et hop. Bonjour. Qu'est-ce. Il y a un passage? Qu'est-ce qu'il y a fait derrière? Est-ce que c'était Aroka? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le présentoir des poupées? On va regarder. Oh, une trappe. C'est gris, on peut refuser de bouger. Il doit y avoir moyen de l'ouvrir. Je le sens pas. Oh. Et voilà, c'est ici que s'achève notre 9e épisode. Qui est donc cette fille qui a surgi d'un coup devant nous. La réponse dans le 10e épisode de Project Zero, la prêtresse des zones noires.